Tu me cries dessus? Tiens, je suis déjà servi, monsieur. Voilà, il me crie dessus, il me dit dépêche-toi, maman. Tiens, allez, bon appétit. Bon, ça y est, c'est fini, Mylon, il est fini, le tétou. Non, 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 ça y est, donne à maman, c'est l'air. Ça suffit. Il est trop beau. Tu veux un peu le jus de fruits? Attends, maman, elle te donne le jus de fruits, tiens. Tiens, tiens, maman, elle te donne du jus de fruits. Il est trop mignon, ce bébé, je vous jure. En fait, il boit tranquille, il déjeune tranquille. Et moi, je suis à côté. Tiens, mon cœur. Tiens, ma vie. Et moi, je suis à côté et je fais mes petites dédicaces. Oh, t'as fait tomber? Tiens. Non, prends-le-toi. Prends-le-toi, t'es grand, dis donc. Allez. Et ouais, t'es grand maintenant. Et moi, je fais mes petites dédicaces. Voilà, j'en ai fait. J'avance, les gars. J'avance sur vos commandes. Je viens de surprendre Mylon en train de tendre sa tétine à Gizmo. Voilà, il lui tendait. Il attendait que Gizmo le prenne dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es dans la panière à Gizmo? Pourquoi t'es dans la panière à Gizmo? Okay. Où tu vas? Hein? Tu viens? Tu viens jouer? Quoi? Tu prends un petit peu le bateau? Oh, doucement, doucement. Bon, je viens de faire la compote à mon fils. Et vu qu'il sait que c'est pour lui. Tiens. C'est normal, il me racle les pots. Bon, ça, c'est ce qui est resté. Elle est bonne? C'est bon? Ma merveille. Oh, ce gouffre. Non, tu me rends la cuillère. Qu'est-ce que tu fais? Il est venu me gratter. Il me dit maman, maman. Je peux pas m'empêcher de lui en donner. Hein. Pareil, hier, on était au restaurant. Il voulait manger toute ma purée. Maman. Oui, maman, tiens. Maman, j'adore quand tu fais ça. Regardez-moi les tous les deux. Mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, Mylon, il prend son jouet, il lui pique. Et après, il lui dit, tiens, va le prendre. Il le met en galère. Hop, après, il le récupère, il lui donne pas. Mylon, c'est pas ton jouet, mon amour. Mylon, t'as vu tous les jouets que tu as? Pourquoi tu prends... Ah là, puis fais le tour et vite, il le récupère. Il est trop malin, ce fils. Donne à Gizmo. Doucement, doucement, doucement. Donne à Gizmo, mon amour. Oh. Allez, fais le tour. Il me tue, ce gosse. Le pauvre Gizmo, je vous jure, il lui fait la misère. Il fait que l'embêter, mais Gizmo, il l'adore. Allez, rends-lui. Rends-lui, mon amour. Oui, c'est son jouet. Ça peut durer des heures hein, à se battre pour un os. Je vous jure, ça peut durer des heures et des heures entières. Depuis ce matin, ils y sont. Doucement, Mylon. Tu fais pas des gestes brusques. Voilà. Allez, hop, il va recourir après. Il va le récupérer. Gizmo, c'est vraiment un amour avec lui. Je vous jure, parce qu'il ne bronche pas. Et t'en as pas marre de l'embêter? Allez. Allez, c'est parti. T'en as pas marre d'embêter Gizmo? Allez, c'est parti. Hop. Allez, encore un petit peu. Encore un petit peu, mon chaton. Allez, là-haut, on grimpe. Allez, hop. Il est presque. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est trop fort. Bon, j'ai pas fait de snap depuis ce matin. J'étais avec mon chéri. Il s'est occupé de faire... J'aime trop mon parfum. Vous savez, j'arrive à la faire. Hein. Il faut absolument que le bureau l'envoie. Il s'est occupé de faire mon téléphone ce matin. Donc voilà. Donc déjà, il est sauvegardé. Maintenant, il faudra que je l'installe. Donc pour l'instant, j'ai toujours mon téléphone qui peut s'éteindre à tout moment. Donc c'est pas grave, j'ai mis la batterie. Et puis je vais me balader avec ma batterie portable de partout. Et voilà. Petit snap pour faire un petit avis à toutes les personnes qui habitent à Bordeaux, tous les Bordelais. Il y a un bistrot, le bistrot Spinoza, qui est chic et qui fait en même temps bar à vin.
voilà, vous allez pouvoir y aller parce qu'il va ouvrir la semaine prochaine. En tout cas, je vous mets l'Instagram, n'hésitez pas, je suis hyper fière parce que c'est un ami à moi d'ailleurs, vous pourrez le rencontrer là-bas. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais trop être à Bordeaux et pouvoir être la première à goûter. Mais bon, vous le serez sûrement avant moi puisque j'ai pas prévu de rentrer en France. En tout cas, voilà, je vous ai mis le arrobase, allez suivre les amis bordelais, ça arrive très vite. Bon, à la base, je devais rester... Je danse ou pas? Tu peux danser. À la base, je devais rester une heure. Je me suis retrouvée avec toutes mes copines. Et puis du coup, on se retrouve, il fait nuit. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de palmiers. Il n'y a plus rien. Mais c'est pas grave. On kiffe. C'est pas grave. On est bien. On passe un bon moment. J'ai plus de mari. Mon fils, il est couché. On les retrouve après. Voilà, on va retrouver tout le monde après. Bon, en tout cas, j'ai passé une trop trop bonne soirée. Ça fait hyper longtemps. Moi, je me retrouve jamais sans mon mari et sans mon fils. À chaque fois, je suis soit avec mon mari, soit avec mon fils, soit en famille. Et du coup, bah, je suis trop contente parce que j'ai passé un moment entre copines que j'ai pas passé depuis avant que j'accouche, quoi. Ça fait 1000 ans.